Bonsoir, Joséphine. J'espère que tu as passé une bonne journée, hein? Pardon? Ah, tu exagères, oh. Il n'est même pas 9 h, hein? Capito? Hein? On a eu un de ces boulots aujourd'hui. Tu peux pas savoir, Joséphine, le nombre des gens qui essaient d'escroquer les assurances. Ah, tu veux un verre? Non? T'es sûr? Bon. Ah, c'est bon, hein? Tu sais, Joséphine, tout le monde, il pleure. Payer ici, payer là. Je suis pas le bon Dieu, moi. Bien sûr, ce soir, on est mieux. Même si tu me fais la gueule, Joséphine. Nous habiller. Et nous déshabiller. Et si je te prenais au mot? Prends-moi plutôt en bas, disons dans 5 minutes. Le temps de descendre. J'arrive. Marc Gautin. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Tant pis pour lui. Mais je n'ai rien de pas tard, quand même. Tout ça, c'est la cause de la réunion. Si, si, c'était vraiment une réunion. Quoi? Isabelle. Tu vas quand même pas être jalouse de ma patronne maintenant, hein? Ben oui, Isabella Corti est ma patronne. Malheureusement, c'est comme ça. Quoi, qu'est-ce que c'est ça? C'est une plume. T'as jamais vu une plume? Tu exagères maintenant, hein? Joséphine? Joséphine! Je te dis la vérité, hein? J'ai joué avec les gamins du quartier, d'accord? Oui, je sais que tu aimes pas ça, mais ils faisaient les Indiens, et moi je faisais la cavalerie, et j'ai perdu. On va pas faire un fromage? Bon, écoute, Joséphine, hein? J'ai travaillé toute la journée, j'ai joué les Indiens, j'ai perdu la guerre, maintenant je vais me coucher. Non, mais... C'est tant que ça dure, tiens! La voiture a dévalé la pente en marche arrière, elle l'a écrabouillée comme une crêpe.
C'est pas chaud ce matin, hein? Tu as de la chance de rester à la maison. Tu as bien dormi? Je t'ai préparé un délicieux petit déjeuner. Comme tu les aimes. Voilà. Je te trouve très en forme ce matin. Eh, heureusement, c'est bientôt le printemps. Le printemps, ma belle. Pas mal. Voilà, ma belle. Tu as de l'eau minérale dans la soucoupe bleue et de quoi casser la grande dans ton bol. Sois sage et surtout ne ouvre à personne. Hein? Allez. Un petit gâteau et un petit becot. Je t'aime. Aldo, ça suffit. Et ne vous inquiétez pas, madame. Si ça casse, l'assurance, elle paye. Tu vois, tu me fais toujours engueuler, hein? Aldo, tu me fais la classe. Ma classe. Allez, 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 allez. Bon, allez, regardez, hein? C'est ça, la classe. Tu vois? Et ça, c'est le style. Voilà, la classe et le style. Allez, ça suffit, ciao. C'est tout? Oui. Parce que tout enfin, camarade. Ciao. Que se passe-t-il, Madeleine? La police, madame. Vous êtes madame Nérac? Oui, parfaitement. Lise Nérac, pourquoi? Je suis porteur d'une mauvaise nouvelle. Porte mari. Mon mari? Il a eu un accident et il est... mort. Je vous prie de m'excuser. Pauvre petite. Quelle malchance. C'est le troisième mari qu'elle perd. Vous n'auriez pas pu annoncer ça avec un peu plus de tact, non? Messieurs, s'il vous plaît. Je vous préviens, hein? Je danse pas les tangos. Oui, commissariat central, inspecteur Morin, j'écoute. Mais respect, monsieur le... Oui, tout de suite, le divisionnaire. Allô, Louis? L'affaire Nérac? Ah oui, je comprends que ça intéresse la presse. Écoute, tout porte à croire que c'est un accident. Non, ne t'inquiète pas. On t'envoie le rapport. Mes amitiés à ta femme. On en était où? Lise Nérac, épouse de Bernard Nérac, la victime, déclare avoir attendu son mari au domicile conjugal. Ce qui nous a été confirmé par mademoiselle Madeleine Dumont, employée de maison. Point final. Une copie au divisionnaire et on classe. Oui, madame Corti. Un club de lutte gréco-romaine, inondé par les factures, sombrant dans la faillite et renfloué par un dégât des eaux. Un naufrage pour vous, n'est-ce pas? Faites-moi confiance. Je vais leur tenir la tête sous l'eau. Non, mais calme et doigté. Hein, Victor? Bonjour, Virginie. Bonjour, Aldo.
Alors, tu es en forme aujourd'hui? Oui. C'est sûr? Oui. On va voir ça, hein? Attention, ne bouge pas. Attention. Qu'est-ce que c'est ça? Dame de cœur. Allez, de trèfle. La journée commence très bien. Dis donc, Virginie. C'est pour moi la jolie petite là-bas? Non, elle a demandé la patronne. Ah. Bonjour, les filles. Ciao, Patrick. Et voilà. Bonjour, Aldo. Vous arrivez juste pour les danseuses. Revue musicale compromise par le genou de la danseuse étoile. Une chance toute calculée. Bonjour, cher confrère. Ingrid, vous allez me chercher votre rapport sur l'affaire Chambran? Pétard. Prenez un siège, vous allez être reçu dans un instant. Vous dérangez pas pour moi? Ah ben, là, justement, là, vous ne me dérangez pas. Ça vous fera patienter. Oh, merci. Vous en voulez un autre? Non, merci, je n'aime pas le café. Effectivement, l'expertise médicale du genou a pu être légèrement influencée par des éléments personnels. Et nous pourrions être amenés à penser que... Que le médecin n'était pas insensible au charme de la danseuse. Avec un bon sens d'observation, on doit pouvoir la confondre assez facilement. Bien sûr, il faut aussi faire preuve d'objectivité et de sang-froid. Oui, d'autant plus que le spectacle est légèrement dénudé. Dénudé? Complètement? Il serait peut-être intéressant de sonder l'expert médical. Après tout, tout repose sur son examen. À la bonne heure, Antonin. Eh bien, je vois que nous sommes tous d'accord. Voulez-vous bien vous charger de cette affaire, Antonin? Merci, Antonin. Merci, Victor. Non, merci, Victor. Ah, j'ai un incendie pour vous aux usines Le Marchand. On pourra toujours l'éteindre avec ton dégât des eaux. Et pour vous, Aldo, j'ai un morceau de choix. Bien plus intéressant que les ligaments de genoux ou les incendies. Eh bien, vous avez tort. Parce que moi, les genoux et les incendies d'Ingrid, je m'en occuperai bien. Oui, on sait, Aldo. Bon, alors, une veuve pour la troisième fois, Madame Nérac. Encore une sobre histoire d'assurance mort. Je déteste ce type d'affaires. Comme ça, Victor. Regardez. Alors, trois maris, trois décès. Trois morts, trois assurances vie. Une fortune construite sur ses héritages successifs. Il y a les droits d'auteur du premier, l'imprimerie du second et la maison d'édition du dernier. Et alors, vous ajoutez à tout cela des primes d'assurance vie considérables. La dernière, 20 millions de francs. Eh, troublant, non? Morbide, oui. Bah, vous en tirerez certainement très bien. S'il ne les pousse pas. Bon, les incendies, vous. Le dernier mari s'est fait écraser par sa propre voiture. Mmh. Et la police classe l'affaire et conclut à l'accident. C'est plutôt mince comme indice. Oui. Oui. Alors, supposons que la femme ait un petit peu arrangé l'accident. Vous imaginez comme notre client serait soulagé de ne pas avoir à payer une telle somme? Je compte sur votre compétence, mon cher Aldo. Vous voulez dire ma chance? En tout cas, ce n'est certainement pas un suicide. Eh bien, pour aider votre chance, justement, je vous ai choisi un bras droit. Vous voyez, mademoiselle, que c'est avec plaisir que je vous accueille et non sans une certaine émotion que j'apprécie par avance notre collaboration qui, j'en suis sûr, sera fructueuse. Aldo Bocampo, pour vous servir. Je crains qu'il y ait une méprise, Aldo. Ne vous inquiétez pas, Isabella.
Nous allons nous occuper de cette affaire. Mlle Wanda Jürgen est une amie de longue date. Mais comment avez-vous pu dissimuler si longtemps qu'un spécialiste aussi... aussi tant... Non, non, vous emballez pas. Voici M. Lachat, il sait le spécialiste que je vous ai choisi. Ah bon? Oui. Viens, toi. J'ai des millions de choses à te dire. Au revoir, M. Bocardi. Au plaisir. Au revoir. Spécialiste, tu parles. Il m'a mis un chaperon, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Valet de trèfle. Eh bien, oui. Aujourd'hui, il va falloir que je me contente de valet de trèfle. Allez, viens. Vous connaissez l'affaire? Une femme d'une habileté diabolique réussit 3 crimes parfaits, s'apprête à toucher 20 millions de primes d'assurance. Tout d'abord, il n'est pas dit qu'elle les touche. Ensuite, il n'est pas certain qu'il s'agisse des crimes. Et rien ne prouve qu'il soit parfait. Il y a longtemps que vous êtes dans les métiers? Oui, enfin, j'ai fait des stages. Un conseil. Oubliez tout. Moins un enquêteur en sait, plus il a envie d'en apprendre. Mais rassurez-vous, s'il y a crime parfait ou non, je le prouverai. On va la coincer alors? Peut-être. On y va. Oui, et où ça? Vous devez le savoir, vous êtes le spécialiste, non? Ah, spécialiste, oui. Avenue Carnot, 16 Avenue Carnot, elle habite là. 74. Ah non, 16, c'est le numéro de la rue. 74, c'est le numéro du bus. Dites donc, Lachaille, vous êtes spécialiste en quoi? Automobile, monsieur. Ah ben oui, c'est indispensable dans le cas d'une assurance vie. Ah, quand on repose sur un accident de voiture, oui. Vous avez expertisé la voiture de monsieur Nirac? Il n'avait pas mis son frein à main. Une vitesse a pu le décrocher. Mais vous me prenez pour un idiot ou pour un imbécile? Je vais vous dire ce que je pense, moi. Vous êtes un spécialiste du cancer du poumon. Mangez, monsieur. Mangez, monsieur. Mangez, monsieur. J'ai fait un courbure. Eh oui, spécialiste en catastrophe. Bonjour madame. Aldo Bocamp, Julien Lachaille, expert en assurance. Ah, ce n'est pas vraiment le jour. Monsieur Nirac est décédé cette nuit. Mais enfin, depuis le temps qu'on vous attend. Merci. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Comme vous pouvez le constater, l'eau s'est infiltrée dans le plafond. Je ne vous parle pas de la moquette. Ça, c'est pour le chauffe-eau. Je vois, mais nous n'assurons pas. Taratata, je sais lire une police d'assurance. Pour l'incendie, ce sont les rideaux. Les carreaux cassés, c'est le vent. Certainement, madame, mais... Mademoiselle, il n'y a pas de mais qui tienne. Nous sommes assurés. Vous devez constater et payer. Ah, bien sûr. Mais j'aurais souhaité toutefois rencontrer madame Nirac. Impossible. Mais pour le constat, cela me paraît indispensable. C'est que je lui donnais un calmant. Elle dort. Bon. Elle dort. Comme je vous l'ai dit, madame a perdu son époux cette nuit. La pauvre femme. Vous imaginez? Le troisième qui décède en 7 ans. Alors, ce constat. Oui, Julien, procédez à l'expertise. Oui, bien sûr, oui. Bien. Et maintenant, il y a la cuisine. Si voilà. Vous voulez me suivre. À la cuisine. À la cuisine. Je sais que c'est la troisième explosion, mais nous sommes assurés. Ça fait beaucoup pour un seul appartement. Oh, c'est comme ça, jeune homme. Partout où passe madame Nérac, c'est le désastre. Partout? Partout. Elle porte la guigne. Mais j'ai pris mes précautions. Qu'est-ce que c'est? L'étoile de l'ours, ça porte bonheur. Thank you.
Si j'osais, je vous demanderais de me rendre un service. Oui. Les plombs du palier et des chambres viennent de sauter. Si vous pouviez me les remplacer. Mais... bien sûr. Oh, merci. Oui. Là, je n'ai rien à voir là-dedans. À chaque fois, moi, je m'électrocute. N'en faites pas trop, quand même. Au revoir, madame. Mademoiselle. Il reste encore la salle de bain. Je m'en suis occupé. Je n'ai jamais vu autant de catastrophes dans un appartement. Il paraît que c'est la faute de Madame Nérac. Comment ça, de Madame Nérac? Il paraît qu'elle porte la guigne. Mais ça n'existait pas à la Chaille. Ben, il paraît que si. On prend plus le bus? Il paraît que le plaisir est dans la diversité. Taxi! Je les emmène. 193 boulevard Pereira, s'il vous plaît. Où va-t-on? Au QG. Il sait pas lire? Pardon? On fume pas chez moi. Excusez-moi. L'autre jour, j'ai pris un Nyakwe qui parlait pas le français, il a fallu que je m'arrête pour lui donner sa clope à cet enfoiré. Les Nyakwe, eh, c'est tout sourire et compagnie, mais ça en fait qu'à sa tête, hein. Ah, il y a qu'à regarder l'Indochine. Oh, le raton, tu le pousses au chameau? Eh hey. Hey, c'est pas moi qui l'ai pas en verre, la pastille, non? Oh! Messieurs a beaucoup voyagé, hein? C'est pas la peine, ils viennent tous chez nous. Tenez, prenez l'anglais, perfide et accrocheur. L'allemand, discipliné mais envahissant. L'espagnol, fier et dégueulasse. Et les Italiens? Les Italiens, oh, c'est pas les pires. Attention! Ah, putain de négresse de merde, on est pas dans la brousse! Hey, excusez-moi de vous interrompre, mais mon grand-père était africain. Ah ouais? Hein? Mais vous, c'est pas pareil, ça se voit pas du tout. Et ma grand-mère était italienne d'origine maghrébine. Oui? Oh, mais hey, c'est pas toutes des... Il y en a des bonnes. Combien? 50. Faites-moi la monnaie. Merci. Sale nègre. Salut Aldo. C'est gentil de rendre visite à son pote. Visite de politesse, j'imagine. Non, c'était juste pour te présenter mon collaborateur, Julien Lachaille. Dan Steber, inspecteur de police. Bonjour, inspecteur. Ravi de vous rencontrer sur cette affaire. Juste me le présenter, c'est ça. Corinne, asseyez-vous. Deux clubs, deux bières et un sourire. Oui, tout de suite. L'affaire, quelle affaire? L'affaire Nérac. L'affaire Nérac. Il n'y a pas d'affaire Nérac. Comment ça? Trois veuvages et ça t'apparaît normal? On voit tant de choses. Son premier mari est mort des suites d'une longue maladie. Le second, l'imprimeur, a été happé par une rotative alors qu'elle était à 600 km de là. Quant au troisième... Il paraît qu'il a été écrasé par sa propre voiture. Cette femme ne porte vraiment pas chance. Je ne vous le fais pas dire. Combien la prime d'assurance?
20 millions de francs lourds. Merci. Voilà. Je vais aller à... Pardon, je... Faut pas prendre les filles pour des quilles, hein. Bon, c'est pas grave, je vais vous en chercher une autre. Non, merci, j'aime pas la bière. Écrasé par sa propre voiture, tout de même, c'est un comble. Un comble qui vous coûte 2 milliards. Pas mal. Tu l'as dit. On fait une partie? J'ai vu la veuve. Jeune, jolie. Et les veuves sont pas toutes vieilles, laides et moches. Une réponse à First Strike? J'achète. Rien ne va plus. Ah, l'Italie manque et perd 20 plaques. Les jeux sont ouverts. L'Isnirac était-elle sur les lieux du crime? Sur les lieux du quoi? De l'accident. Try. Contrairement à son habitude, elle n'était pas venue chercher son mari ce soir-là. Curieux qu'il aille les chercher d'habitude. T'as raison, mon vieux. Ça peut paraître très bizarre comme pratique, mais il paraît que beaucoup de couples ont des rites suspects. Il y en aurait même qui vivent ensemble. Si, si. Je veux dire curieux qu'il ne soit pas allé ce soir-là, précisément. Merci pour le personnel. Désolé, mon vieux, la domestique confirme. J'étais en train de me dire, quand même, on peut pas se laisser écraser par sa voiture sans réagir. Ou alors... Une vitesse lâche. La voiture roule sur la piste. Le mec n'a pas le temps de broncher. Strike! Ok. Mais qui a lancé la boule? Mais personne. Je te dis que c'est un accident, tête de mule. Cessez de faire les pitres. Hein? Trouvez-moi une voiture. Oui, la mienne, oui. Et attendez-moi au parking des éditions Irak. Voilà les trois clubs. Aldo, t'es pas au jeu. Strike. Oh, bravo. Vous mettez ça sur le compte des messieurs. Oui, d'accord. Ciao. Mademoiselle. Hey. J'ai quelques questions à vous poser. Je ne parle jamais sous la torture. Attendez. Je cherche un lutteur qui joue au bowling et qui est très trapu, qui a les cheveux qui sont rasés et puis alors qui marche comme un préhistorique. Ah, oui. Non, ben j'ai pas vu de dinosaure aujourd'hui. Je suis désolée. Marcus, ça prouve rien. Au revoir. Attendez, mademoiselle. Alors, Victor. Aldo. On se promène. Tu étais là, toi. Je suis là. Tu m'espionnes? Ah non, absolument pas. Je suis sur mon histoire de lutteur, là. Et tu crois que je vais avaler ça, hein? Hein? Attends. Tu vas comprendre. Oui, comprendre. Qui t'a demandé de me suivre? Personne. T'es complètement parano. Para quoi? Non. Parano. Ouais. Tu devrais boire un coup, hein? Ça te calmerait beaucoup. J'ai pas très soif. C'est ma tournée. Corinne, viens. Jeune ami. La prochaine fois qu'Isabelle te demandera de me suivre, tu réfléchisseras deux fois. Mais je te dis qu'elle m'a rien demandé. Ouais, cul sec. Hein? Ça, mais... Voyons. C'est de la menthe. Oh. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, Isabelle? Mais c'est mon histoire de lutteur, simplement. Oh! Ah! Oh. Œuf cru, tequila, menthe forte, un zeste de citron. Et du piment. Wow. Alors, tu parles ou tu bois? Je t'ai dit qu'Isabella n'a rien demandé. Bon, je te crois.
Mais attention la prochaine fois, hein. Mais c'est pas... Non, merci. Cul sec. Oui, d'accord, oui, oui. Oh. À mon signal, vous vous laissez glisser. Comme ça. Comme... Qu'est-ce que vous fichez? Ne tournez pas le volant. Mais j'y touche pas. C'est la pente qui doit être inclinée. Vous en connaissez beaucoup de pentes pas inclinées? Elle ne descend pas, celle-là, peut-être? Vous croyez pas que c'est votre parallélisme qui est faussé? Le parallélisme vient juste d'être fait, c'est la pente. Spécialiste en fumigène. Allez, on sort! Dan n'a pas dû faire l'expérience. Remarquez, ça ne prouve rien. Un caillou a pu réajuster la trajectoire. Un défaut d'équilibrage des roues compensait la dénivellation. Épargnez-moi vos tests d'école. Vous pensez quoi, vous? Je dois bien reconnaître que la thèse de l'accident nécessite un sacré concours de circonstances. Vous savez, Julien, entre collègues, on peut se tutoyer. Je vous tue? Vous? Oui. Oui? C'est un pain? Le circuit électrique est encore grillé. Vous êtes bon pour monter à pied? Les éditions Irak, c'est à quel étage? Vous êtes verni. C'est au sixième. Au sixième. Ça va, Julien? Oui. Ah, une petite cigarette? Agenda de mission Irak. Mais alors, il l'aurait perdu? Mais pas du tout. Il avait l'habitude d'en jeter un peu partout. Chaque année, il se faisait livrer des cartons d'agenda qu'il jetait sur son passage à des admiratrices émerveillées. Ah, Giuliano! Quand il est mort, mission Irak? Sur le coup. Je veux dire, à quelle heure? Sur le coup, de 8h30, 9h. Il avait rendez-vous à 8h avec un certain René Margotin. Viens. Oui. N'ayez crainte, mademoiselle. Je maîtrise les maniaques. Attention à la marche, madame Nérac. Merci, monsieur. Si tu m'avais pas retenu, je lui sautais dessus. C'est Élise Nérac. Tu la trouves comment? Jolie. Alors, ton cas n'est pas complètement désespéré. Je peux la rattraper si tu veux. Poursuivre une femme, c'est comme poursuivre un rêve. Julien, il faut laisser faire le temps. N'est pas la brusquer, l'approcher tout doucement. Pour s'en faire une idée. Tu es marié, toi? Non. Et toi? Moi non plus. Viens. Foiré de travailleurs immigrés. Oh, c'est toi qui as fait ça? Mais c'est pas vrai, merde! Oh! Tu prends ma caisse pour une poubelle, non? Avec quoi je vais nettoyer ça, moi? Avec la peau de ton cul, je vais nettoyer. Descends, enfoiré, descends! Comprenez-moi, mademoiselle Sorel, je ne vous demandais pas de confidences qui pourraient nuire à madame Irak. Je veux juste savoir si elle et son mari formaient un couple uni. Définissez couple uni. Couple, ensemble des deux unités de même espèce. Uni, où règne la concorde? Alors, oui. Oui, c'est-à-dire? Oui, particule d'affirmation invariable. Avait-il de la famille? Une nièce, Violette Nérac. Mademoiselle? Agence Lorster, c'est dans l'annuaire, rubrique mannequin. Très agréable. Archétype de la secrétaire, dévouée et discrète. Mais dit-elle la vérité? La vérité. Comment faire confiance en femme qui sort d'un puits complètement nue?
Qu'est-ce que c'est, ça? Monsieur Nérac refusait poliment d'éditer le livre de ce margotin. Mais, mon petit Julien, c'est très mal de voler. Et qu'est-ce que va dire la police quand des coïncidences en coïncidences, on va leur fournir une preuve? La police déteste les spécialistes. En preuve? À l'agence. Doucement les feux, rouges. C'est rouge. Mais c'est bon, ça passe. Qu'est-ce que ça passe? Ça passe doucement. Hop là, les passants, tu les vois pas les passants, non? Ah, c'est génial d'enquêter avec vous. Enfin, avec toi. C'est pas parce qu'on se tutoie, il faut que tu me tues, moi. Interdiction de lui donner du café. Comment? Comment? Vous me traitez d'escroc? De con? Et de monsieur? Le con, il vous dit merde! Tiens, voilà! Et hop! À lui aussi, pas de café. Aldo, Victor est un as de pique. Raté. Plus doux la main, Virginie. Plus doux. Toi, tu vas me chercher l'adresse de Violette Nérac, s'il te plaît. Virginie, quelle couleur c'est ça? Vert. Tu crois, hein? Hop! Rouge. Je peux camper? Oui. S'il vous plaît. Ah, pardon. Viens, c'est. Victor, calme-toi, hein? Bon. Alors. Nous avons découvert plusieurs choses que la police avait négligées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet accident nécessite beaucoup de coïncidences. Ah, ça, j'en étais sûr. Et alors? Monsieur Nérac avait une nièce. Julien s'occupe de la retrouver. J'ai aussi retrouvé l'agenda de Monsieur Nérac. Il avait rendez-vous le soir de l'accident avec un certain René Margotin. Parfait. Vous avez vu la veuve? Oui. Mais elle dormait. Je n'ai pas osé la réveiller. Elle dormait au lit? Eh oui. C'est une vieille coutume occidentale. Bon, je peux continuer l'enquête? Oui. On m'a dit que c'était une très belle femme. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien vu. La chambre était dans la pénombre. Méfiez-vous des excès de zèle? Simple enquête de routine. Vous êtes très jolie ce matin. Grazie, Aldo. Alors, elle est en prise de vue au studio Winchester. Qui? Ben, Violette Nérac. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Non, madame. Oui. Alors, c'est genoux. Innocent. Ah oui? Tu aurais vu dans quel état elle est. Oui. C'est jolie fille, hein? Les mêmes choses. T'as pris son téléphone, au moins, hein? Ah, ben, c'est-à-dire oui, que... Oui, mais non. C'est-à-dire non, qu'on ne reparlera, hein? Non. Ben, qu'est-ce qu'on attend? D'accord. J'arrive. Voilà! Très joli! Très joli! Relax, Violette! Relax! Tourne un peu. D'accord. Là! Ne bouge plus! Maquillage. Et Violette Nérac, s'il vous plaît. Oui. Violette, la pose. Aldo Bocamp, experte en assurance. La lumière. J'avais quelques questions à vous poser. La lumière. Quels étaient vos rapports avec votre oncle? Vous êtes dans la lumière. Qui, lui? Mais non, vous. Ah bon? Qu'est-ce que tu penses, Julien? C'était plus joli avec l'ombre. Qui c'est ces deux guignols là? Inspecteur Bocamp et Lachaille. 10 minutes de pause. Le sourire à vous coller au mur. Hein? Oh, elle est mignonne, sans plus. Ouais, spécialiste en coup de foudre. Je vous écoute, messieurs. Excusez-moi de vous importuner. Vous étiez très lié avec votre oncle? Oui. À la mort de mes parents, il s'est occupé de moi comme un père. Excusez-moi d'insister. Et de votre tante? Oh, ma tante, moi.
Je le connaissais pas beaucoup, vous savez. Ils se sont mariés très vite, il y a à peine un an. Mais leur mariage était un mariage de raison. Non, pas raisonnable du tout. Elle avait déjà perdu deux maris, ça ne pouvait que porter malheur à mon oncle. Et puis... Enfin, j'aurais pas avoir l'air d'être mauvaise langue, mais... Je crois que c'était surtout une question d'argent. Merci, mademoiselle. Excusez-nous encore de vous avoir importunée. Mais comme votre tante est la bénéficiaire de l'assurance vie, vous... Ma tante, la bénéficiaire ? Pourquoi ? Vous ne le saviez pas ? Mais c'est moi ! C'est moi qui devais ! Bon, alors, c'est fini, oui ! Mais je savais pas qu'il avait changé. Je voulais pas lui faire du mal. Je sais. Vous avez vu dans l'état dans lequel vous l'avez mis ? Allez, viens, toi, ton maquillage, viens. Au revoir, mademoiselle. Toutes nos condoléances. Violette Nérac, oui, c'est bien ça. Quoi? Violette! Oui, j'attends. Tiens, toi, tu attends. Tiens, Maigret. Très drôle. J'ai des preuves. Garde-les précieusement. Dan, je vais te faire ouvrir l'enquête. Dans le mille et je t'écoute. J'aime pas viser le cœur des gens. T'as raison, viser la tête, ça fait moins mal. À 2 cm de l'épaule droite. Oui, admettons, je t'écoute. J'ai retrouvé l'agenda de M. Nérac dans l'escalier. Il avait rendez-vous avec un certain Margotin à l'heure de l'accident. Et de plus, j'ai fait des essais dans les parkings. La pente ne permet pas aux voitures de maintenir sa trajectoire jusqu'au muret. Mon cher Aldo, je te rappelle qu'il n'y a que deux cas où tu ne payes pas. Si M. Nérac s'est suicidé, si sa femme l'a assassiné, alors qu'est-ce que tu t'emmerdes à jouer les détectives amateurs? Si les flics ne font pas leur travail, il faut bien que quelqu'un les fasse à leur place. L'important, c'est la vérité. La vérité, c'est que l'affaire est classée. Classée. Ça te tente? Ah non, merci, j'aime pas les armes. Ben, interroge au moins Margotin, non? T'es vraiment un emmerdeur, hein? Je te parie que t'en mets pas une dedans. On peut toujours essayer. Je dis attention, prêt, feu. Attention, prêt, feu. Pas doué. Bon, recommence. Et fais un transfert. Un transfert? Oui. Imagine qu'en face de toi, t'as ton pire ennemi. Je le vois. Il est tout comme ça. Vise bien la tête, hein? Prêt? Prêt. Feu! Eh ben, mon salaud, tu dois pas l'aimer, le mec. C'est dégueulasse, votre truc. Spécialiste en tir instinctif. Bon, alors, c'est Margotin. Sois demain à mon bureau à 10 heures. Ciao. Tu pourrais dire merci. Nérac avait fait changer le bénéficiaire de son assurance vie 10 jours avant sa mort. Des mieux en mieux. Carrez votre cul, les macaronis! Transfert! Où il est, ce con? Le con, là où il est? Où il est, ce con? Non, on me la fait pas, monsieur. Non. On me la fait pas. Non, écoutez, vous me parlez pour qui exactement? Pour pas.
Pour un gamin, attention, ne faites rien que vous ne puissiez regretter, monsieur. Je vais t'en foutre, moi, des gars des os. Ah! Et ça, c'est pas un des gars des os? C'était pas ton incendie, hein? Il t'est transformé en bonze. Bon, Isabelle, écoute. Alors. À ton avis, Joséphine, je l'appelle ou je l'appelle pas? Tu vas être encore jalouse. Finalement, Joséphine, je l'appelle. Lise, miracle. Alors ça. Aldo Bocampe. Arre, Josefina. Allô, Madame Nirac? Bonjour. Aldo Bocamp, expert en assurance. Et excusez-moi de vous déranger si tôt, mais j'aurais souhaité vous rencontrer. Oui, au sujet des décès de votre mari. Bien. Je serai aux éditions toute la journée. Voulez-vous, disons, 11 heures? 15 heures, ça m'arrangerait mieux. Enfin, si cela était possible, bien sûr. C'est entendu, 15 heures. Monsieur? Bocamp, Aldo Bocamp. C'est noté. À tout à l'heure, monsieur Bocamp. Merci. Joséphine? Joséphine, viens ici. Arrête de faire la bête. Hein? C'est que tu peux être jalouse. C'est professionnel. Le son, c'est le bouton de gauche. Faccia d'assassino. Je peux enlever ça? Parce que... Oh merde. Je vois plus rien. Retire ça, Adam. Je vois plus rien. Merci. Je peux savoir la raison de cette convocation. Appel à témoin. À témoin de quoi? Monsieur Margotin, je ne voudrais pas que ces entrevues deviennent désagréables. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de me répondre, ce qui ne ferait que retarder notre entrevue de quelques heures. Le temps que j'obtienne un mandat en bonne et due forme. Suis-je suffisamment clair? De quoi s'agit-il? Où étiez-vous le 2 avril à 20h30? 2 avril, c'est rien, monsieur l'inspecteur. Je vais vous aider, monsieur Margotin. Vous avez rendez-vous avec monsieur Nérac. Je croyais que monsieur Nérac était mort d'un accident. Non? Qui vous dit le contraire? Moi, je dis le contraire. En tout cas, je ne l'ai pas vu, Nérac. C'est vrai, j'avais rendez-vous avec lui. Mais le système électrique de la porte d'entrée ne marchait plus. Le temps d'aller au café, trouver son numéro de téléphone dans le butin. Parce que moi, je ne l'avais pas. Et ça ne répondait plus. Quel bistrot? La Madone de Saint-Flour. Quel bistrot? Quel bistrot? La Madone de Saint-Flour, c'est à côté des éditions Nérac. Ça va, j'ai et compris. Après, je suis rentré chez moi, qu'est-ce que vous auriez fait? Enfin, il était au moins, je ne sais pas, moi, 21h. Aucune raison que je reste là.
Je vous remercie, monsieur Margotin, vous pouvez disposer. Pas le moment. T'es content? Et dans les billes, ça se vérifie. J'entends rien, appuie sur le bouton près de la table. Une alibi, ça se vérifie. Ce type a peut-être une sale gueule, mais ça n'est pas forcément un assassin. Je m'en tiens à la thèse de l'accident. Eh bien, tiens-toi bien, va. J'entends rien, appuie sur le bouton. Oh! À 6h. Ah oui, mais il faut qu'il soit là, alors. Ah oui. Je vais rentrer en début d'après-midi. D'accord. Si monsieur Chambon appelle, rassurez-le, nous allons payer. D'accord. De toute façon, le rendez-vous pour la semaine prochaine, il y a toujours. Oui, oui, c'est maintenu. Mademoiselle, vous avez rendez-vous? Pas du tout, mais c'est très important. Vous cherchez quelqu'un en particulier? Oui. Je sais plus son nom. C'est au sujet de l'assurance vie de mon oncle, monsieur Nérac. Ah, monsieur Bocamp n'est pas là pour l'instant. Mademoiselle? Mademoiselle? Je ne peux rien faire. Non, je ne peux rien faire. Je peux le remplacer. Ah, oui. Oh, c'est sympa, oui. Non, non. Mais ben, monsieur, tu es... C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible, je ne peux rien faire. Non, mais... Je ne peux rien faire, là! C'est clair, maintenant! Hein? Oui, c'est comme ça. Très bien, ce garçon. Hein? Motivé, surtout, il ira loin. Je peux vous rendre service? Oui. Je suis un petit peu ennuyée de venir vous demander ça, mais... Je voulais savoir, pour la prime d'assurance vie de mon oncle, c'est légal le changement? C'est légal, je suis désolé. Je comprends pas. Bon, bah tant pis. Vous voulez boire mon bouc? Vraiment, je peux? Ouais. Merci. Oh, oh les belles photos. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais un mordu de photos. Ne le croyez pas. Il n'a jamais été photographe de mode. Je vous appellerai. Ils disent tout ça. Pardonnez-moi, je ne voulais pas déranger Julien dans son travail. Mais non, ne vous sauvez pas. Vous prendrez bien un petit café? Un café? Oui, pourquoi pas, c'est sympa. Et alors, spécialiste en café, vai. À l'italien, hein? Tout de suite. C'est vous. Merci. Ça vous embête, cette histoire d'assurance vie, hein? Moi aussi, figurez-vous. Si vous me parlez un petit peu de votre tante. Je voudrais pas avoir l'air de... Puis en plus, je la connais si peu. En tout cas, elle doit être contente, elle. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce que figurez-vous que ça doit bien l'arranger. Elle avait besoin d'argent. Enfin, pas elle, l'imprimerie. L'imprimerie dont elle a hérité ton dernier mari. Peut-être pas dû dire ça. Non, vous n'avez pas dû. Et René Margotin, vous le connaissez? Oh, merci, vous êtes chaud. Merci. Pour moi, ça sera très serré. Alors, Margotin? Margotin. Margotin. Son prénom, c'est quoi? René. Oh, René, ça fait vieux. Non, vraiment, je vois pas. Bon. Merci, mademoiselle. C'est tout. Je vous raccompagne? Ah, oh, vraiment? Non, c'est pas la peine. C'est sympa. Ah, si, si, je peux vous raccompagner. C'est sympa. C'est pas la peine, vraiment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le spécialiste en coup de foudre. Tiens. Oh, joli, hein? Oui, mais un peu intéressé. Eh ben, normal. Elle vient de perdre 20 millions de francs. Oui. Alors que Madame Nérac, qui vient de les gagner, en avait bien besoin. Alors, allez. J'ai noyé. Spécialiste en automobile, va.
espèce de pédé. D'habitude, il me traite de nègre. Allez, rue de Lille. Ok. Bonjour, mademoiselle Sorel. J'ai rendez-vous avec madame Nérac. Je vais voir. Madame Nérac? Oui. Un monsieur... Beaucamp, Aldo Beaucamp. Beaucamp. Je l'attendais. Ah, vous l'attendiez. Bien. Merci. Si vous voulez bien entrer. Hé, les spécialistes. On va toujours de catastrophe en catastrophe. Si vous saviez... Oui, je sais. Que puis-je pour vous? Permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Merci. Merci. Je vous écoute. Je désirais vous rencontrer au sujet de l'assurance. Quelle assurance? L'assurance vie. Je ne vois pas très bien en quoi cela me concerne. C'est ma nièce qui en est la bénéficiaire. Vous voulez ses coordonnées? Attendez. Vous ne saviez pas que votre mari l'avait modifié? Pardonnez-moi, monsieur Beaucamp, je ne comprends pas. Ce n'est pas ma nièce qui bénéficie de... Non. Votre mari l'avait transféré à votre nom 10 jours avant sa mort. C'est vous qui... Moi? Oui. Vous devriez toucher 20 millions de francs. Nérac et une copie des derniers courriers. Tout va bien, madame Nérac? Oui. Merci, Blanche. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi votre mari ne vous avait pas mis au courant. Je ne sais pas. J'allais sûrement le faire. Bien sûr. Bien sûr. Autre chose, monsieur Beaucamp? Non, pour le moment, c'est tout. Vous êtes d'un naturel maladroit ou vous me témoignez de la sollicitude? Pardon? J'ai la réputation de ne pas porter chance aux personnes qui me témoignent de l'intérêt. Je sais. Mais rassurez-vous, ma chance résiste à tout. Vous connaissez René Margotin? Oui, très bien. Il travaille avec mon premier mari. Je ne vois pas le rapport avec l'assurance. Aucun. Sans doute. Aucun. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Oui, non. Peut-être. Au revoir, madame. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est innocente? Je t'ai pas dit qu'elle est innocente, je t'ai dit qu'elle n'a pas l'air coupable. Une nuance qui risque de nous coûter cher. Oh, touche-moi avec le matériel. La toxicité. Si vous continuez, j'éteins. Ah, c'est des jeunes. Faut que ça s'amuse. Bah, c'est pas une raison pour casser ma boutique. Non. Bonjour, messieurs. Et pour vous, ce sera? Pour moi, ça sera très serré. Un jus de tomate, s'il vous plaît. On s'en prend de la photocopieuse maintenant? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Spécialiste en espionnage industriel, peut-être. Monsieur Nérac avait engagé un détective pour suivre sa femme. Je n'ai qu'une feuille de rapport, mais apparemment, Lise Nérac et René Margotin se rencontraient discrètement.
Va vérifier. Le téléphone, s'il vous plaît. Tout au fond, à gauche. Merci. J'avais quelques questions à vous poser. Vous êtes de la police? Inspecteur Beaucampe. Alors, le 4 avril, vers 21h, vous étiez encore ouvert? Ma licence me l'autorise, monsieur l'inspecteur. Nous vérifierons ça. Donc, vous étiez encore ouvert? Ouais. Un homme d'une quarantaine d'années, brun, pas très sympathique, a dû venir téléphoner les jours. Vous savez, des bruns qui téléphonent. À 21h, allons. Ils ont 16 ans, ces garçons? À 21h? Oui. Ah! Le râleur qui gueulait après les éditions d'Irak parce que la porte s'ouvrait pas et qu'il n'avait pas le numéro de téléphone sur lui et qu'il l'a cherché dans la nuit et qu'il a même fallu l'aider et que ça répondait pas et qu'il est rentré chez lui après avoir engueulé tout le monde. Bois, tais-toi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous me reconnaissez? Ah non. Non. C'est moi qui... Si, ça y est. Ouais. Dites-moi, vous n'auriez pas trouvé par hasard un trousseau de clé, non? Non. Et si c'est avec un porte-clé qui représente un petit plan de Paris, non? Ah non. Vous êtes sûr? Ah, j'en suis sûr, non. Puisqu'il vous dit qu'il ne les a pas trouvés, vos clés de Paris. Allez, bon, aux jeunes. Merci. J'ai été bien? Très bien. Vous savez... Des clés, j'en trouve tous les jours. Vous les avez? Ah non. Non, ce jour-là, j'avais rien trouvé. On n'a pas trouvé les clés de l'homme non plus! Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à obtenir un rendez-vous. Et l'alibi? Il s'est tient. Bon, au revoir et discret. Hein? Oh! Hé! On n'a même pas trouvé celle de Merlin! Tiens, tiens, on se promène. Et Julien avait un petit soif. Alors, l'alibi de Margotin. À chacun son travail, c'est toi le flic. Moi, en tant qu'assureur, je trinque. Et toi, tu les fais se mettre à table. J'ai convoqué la veuve à mon bureau demain matin. Ça devrait te faire plaisir, ça, hein? Tu trouves pas que tu fais un peu trop pour un simple accident? Je joue pas trop au malin, Aldo. Si je remue la merde pour rien, et bien sûr, tu ne savais pas que Mme Nérac avait des problèmes d'argent. Et que l'assurance a été mise à son nom 10 jours avant le décès. Ah, tu vois que quand tu inquiètes, tu trouves des choses intéressantes, hein? Si tu me doubles, je vous écrase toi et ton poisson pilote, compris? T'es sérieux? Si. Police. Et si vous cherchez les clés de Rome? Elles y sont pas non plus! Aux jeunes! Tu peux me dire ce qu'on fait là? Mais Aldo, c'est merveilleux! Imagine, Arletty, Jouvet, atmosphère! Désolé, mon vieux, j'ai pas la gueule pour ça. Hein. Tu me l'as fait sortir de ton chapeau, le détective? Carnet, Prévert, Paris est tout petit pour des gens qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Je suis pas belle? Je suis vivante. Si dans 5 minutes ton privé n'est pas là, je me tire, hein? C'est elle, la voilà. Quelle sinoche, les femmes maintenant. Je te préviens, Julien, si l'ouvre son imperméable et qu'elle est nue, je te noie comme un petit chat. C'est Eugénie Victoire, la détective. C'est vous les frileux du portefeuille? Les assureurs, elle veut dire les assureurs. Vous êtes détective? Tout juste Auguste. Tout juste Auguste, formidable, hein? Tu vas finir pour prendre un bain, toi. Si la société a inventé la femme active, c'est pas pour lui reconnaître l'égalité au travail. Mais pour lui vendre du déodorant. Vous avez donc suivi Lise Nérac? Chut! Pas à pas pendant un mois. Une femme ne se méfie pas d'une femme qui fait des courses, traîne des mômes, se balade. Et alors? Ça nous mène où? La Nérac allongée de l'oseille au René Margotin. Mais il était gourmand, l'écrivain. Et pourquoi deviez-vous la suivre? Là, mon vieux secret professionnel. Et si tu me braques avec un Pascal... Elle veut dire... Je sais. Nérac pensait que quelqu'un faisait chanter sa mouquère. Et alors? Impossible. Possible aussi qu'ils étaient de mèche.
Parce que je me demande si c'est seulement le portefeuille qui les feuillait. Donc, selon vous, l'accident, ce n'était pas un accident? Possible. Possible aussi que ce soit la guigne, parce que la veuve, c'est pas un trèfle à quatre feuilles. Elle porte la chkoumoune, plus sûrement que 13 échelles et une couvée de chat noir. Enfin. Bon, merci pour votre aide. Oh, vous êtes un romantique, vous, monsieur. Non, je suis un réaliste italien. C'est plus chaud là-bas, hein? Vous devriez garer votre môme, il va s'attraper la crève, arnifler l'atmosphère. Montre bracelet, un trousseau de clés voiture, un portefeuille, un porte-mine et un exemplaire du Monde. Voilà, le compte y est, vous vérifiez, vous datez, signez, lui approuvez. Merci bien. Merci. Pourriez-vous m'accorder quelques instants? Oui, bien sûr. Dame est là? Occupée. Je peux l'attendre? Ça veut dire que je peux. Tu parles de Nérac? Impossible, monsieur Lalève. Ce journal, c'est celui des jours de sa mort. Affaire Nérac, touchez pas! C'était trouvé dans la voiture? Oui. Ça va? Oui. Et bien sûr, interdiction de quitter la ville. Tu veux me voir? Non. Je suis venu juste à passer pour un café, mais je vois que ça ne marche pas, ta machine. Monsieur Bocamp, quelle coïncidence. Mon métier est plein de coïncidences. De temps en temps, je prends des nouvelles de mon pays. Accepterez-vous de boire quelque chose? Un thé, par exemple? Pourquoi pas? Non, laissez. Ça me fait plaisir. Vous me lirez peut-être un article. Vous parlez italien? Pas un mot, mais c'est si joli à entendre. De merde! Où sont ces cons? Où sont ces cons? Où il est l'assassin? Vous l'avez pas vu? Où il est l'assassin? Où il est l'assassin? Ça te fait rire, top du morveux? Et si je te décolle la tête? Ça, un petit con, si je te décolle. Mais casse ah, mais ça va pas? Mais vous êtes folle ou quoi? Merde! Oh, c'est ma journée! Ah! Mais arrêtez, mon Dieu! Je suis très ennuyé. Vous me soupçonnez aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... L'inspecteur Stiberg m'a expliqué toutes les raisons qu'on pouvait avoir de croire à ma culpabilité. Il ne lui manque plus que des preuves. Sans preuves, vous savez, il n'y a que des coïncidences. Seriez-vous prêt à me croire? Bien sûr. Vous n'êtes pas un assureur comme les autres.
Merci. Je n'ai pas assassiné mon mari pour hériter d'une prime d'assurance. Dont j'ignorais d'ailleurs être la bénéficiaire. Oui, mais c'est votre troisième mari. Après mon second mariage, je pensais rester seule. Mais Bernard m'a convaincue que l'affection amicale que nous nous portions nous autorisait à unir nos fortunes. Je sais, tout cela peut paraître très matérialiste, mais les choses étaient claires. Et puis nous étions seuls tous les deux. C'est une façon de voir la vie. Les derniers temps, nous commencions à nous aimer. Je crois que l'amour s'apprend dans l'estime de son conjoint. Vous ne touchez pas vos gâteaux? Mais, René Margotin. Margotin. Mon mari, je veux dire mon premier mari, était un auteur à succès. Les derniers mois de sa vie, il était très malade. Margotin l'a aidé à terminer son dernier livre. En contrepartie de quoi, je lui versais une part des droits d'auteur. Et alors? Et alors, Margotin menaçait de prétendre qu'il avait écrit tous les livres de mon mari. Mais c'est du chantage. Je n'avais pas le choix. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Je tenais au moins à préserver la mémoire de mon premier mari. Sale type, cet écrivain. La vérité, c'est que je porte la malchance. La guigne, comme on dit. Ah, non, je ne crois pas à ces sonnettes. Même s'il s'agit d'un accident, vous n'y êtes pour rien. Enfin, je veux dire... Vous parlez avec votre cœur. Attention, monsieur l'assureur. Pensez à votre prix. Merci pour tout. Je dois retourner à mon bureau. Ben, je peux vous accompagner. Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas loin. Au revoir, madame. Lisa, votre journal. Oh, j'ai déjà pris les mots croisés. J'achetais le monde tous les jours pour mon mari. Il n'est plus là pour... Regardez-le. Aldo, c'est ça. Aldo, la chance. Plus fort que la guigne. Le 4 avril à 17h. Monsieur le commissaire, tout a commencé avec un nègre italien d'origine maghrébine. Et croyez-moi, je suis pas raciste. Dan, écoute. Quoi encore? Les affaires d'Enerac, tu les as toujours? Oui, puisque selon toi, elles pourraient devenir des pièces à conviction. Montre. Tu commences à... avoir des preuves. Les pièces à conviction de monsieur, l'affaire Nérac. Et un. Et deux. On a volé les mots croisés. Ben là aussi. Où as-tu trouvé ça? Dans un salon d'été. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'elle l'a vu. Contrairement à ce qui prétend, Lisnerac est passé au bureau de son mari la soirée de meurtre. Qui? Où? Lisnerac? Viens, Julien, viens. Aldo! Oui. Ce sont mes oignons, je t'ai interdit de te mêler de ça. Écoute. C'est assassin! C'est lui, monsieur le commissaire, c'est le nègre italien. La voiture, vite! Arrêtez-le! Montrez-moi ça! Comment montrez-moi ça? Non, monsieur le commissaire, c'est le nègre italien! Non, je dis que c'est le nègre. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, ça m'apprendra à être gentil avec les étrangers, tiens. Allez, allez. C'est le moment de me montrer ta spécialité automobile, hein? Vas-y, vas-y. Fonce, fonce! Tu te traînes, tourne là! Là, ma spécialité. Gardien, t'occupe pas, fonce! Où allez-vous? Bonjour, comment allez-vous?
encore vous. Pouvez-vous m'expliquer comment le monde dont vous avez découpé les mots croisés s'est trouvé dans la voiture de votre époux? Le monde dont j'ai quoi? Mais je ne sais pas. Je n'ai pas pu le lui donner ce jour, je ne l'ai pas vu. Mais enfin, ça ne peut être que votre journal, puisqu'il manque les mots croisés. C'est un détail que je ne m'explique pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec ces détails, la police peut vous mettre garde à vue? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un mobile et que maintenant, ils ont une preuve? Je n'ai pas de mobile. Je ne savais rien de cette assurance. Vous avez vu votre mari, alors que vous prétendiez ne pas être allé le chercher ce soir-là. La présence du journal dans la voiture, il l'éprouve. Je ne l'ai pas vu. Je l'attendais dehors. J'ai compris ce qu'il se passait quand les secours sont arrivés. J'ai eu peur qu'on m'arrête et je me suis enfuie. Lisa, comme vous croyez. Pourquoi vous avez fait une chose pareille? Mais enfin, Aldo, c'est mon troisième mari qui décède. Je me suis affolée. J'ai pensé que la police ne me croirait jamais, alors... Il arrive. On se reverra. Madame, veuillez me suivre. Non. Attends. Ta gueule! Une affaire rondement menée, on l'a coincée. Jamais je n'aurais pu croire qu'il soit... Une criminelle? Tu vois, Julien, parfois je me dis qu'on avait un peu de choses sur cette terre. C'est la première fois que je me trompe à ce point. Oui, mais l'important, c'est d'avoir finalement découvert la vérité. Une vérité de 20 millions de francs, quand même. Bien sûr. T'es gentil, Julien. T'as raison, Julien. Mourir de ça ou d'autre chose, c'est pareil. Allez, elle l'a peut-être pas fait exprès. Elle a peut-être des circonstances atténuantes. Et puis tiens, si tu veux, on ira la voir à la prison. Un fan derrière les barreaux, c'est comme une fleur coupée dans un vase. Il perd sa fraîcheur, sa couleur, son parfum, ses pétales. Eh oh, c'est pas une raison pour foutre le feu. La porte. Merde. Va prévenir les gardiens, va. Monsieur, il y a quelqu'un? Ouais, voilà. La porte est en panne. Vous pouvez nous ouvrir? Ouais. Aldo, Aldo, les clés de Paris. C'est à vous? Oui. Et vous avez perdu quand? Le soir de la mort de Monsieur Nérac. Ouais. Alors c'est à vous. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Margotin était dans le parking le soir du crime. Le soir du crime, ça reste à prouver. Oh, Dan, je te répète que ce sont les clés de Margotin. Un père de clés comme ça, ça court pas les rues, tu m'aimes. Alors là, je comprends plus. Je te dis que c'est un accident. Tu me trouves une coupable. Je l'arrête, tu me dis que ce n'est pas elle. Et alors, arrête Margotin aussi. Tu te rends bien compte que si ce n'est pas elle, ça va coûter 2 milliards de primes d'assurance. Ça, c'est mon affaire. On n'est même pas sûr que ce soit à lui. Vous pourriez peut-être essayer les clés sous sa serrure? À Montmartre, 21 rue Le Pic. Georges. Chance en 6 lettres. Nadine? Ah, ouais. Tu es sûre pour ta tante? Oui. J'ai eu sa secrétaire au téléphone, il venait de l'arrêter.
Tu vois que ça a marché comme sur des roulettes. Génial, ton idée de me croiser. Dommage qu'on puisse pas en faire un livre. Suffisait d'exploiter sa petite manie. Contrat d'assurance en 6 lettres. Police. Louis. C'est toi qui as la guignée. C'est la faute de ma tante. Il m'avait déshérité. C'est sa faute, il est mort. Mais comment avez-vous pu être capable de ça? Je savais bien qu'on aurait dû la tuer, elle aussi. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Violette et Margotin ont tué mon mari. Ils avaient décidé de les tuer pour toucher la prime d'assurance. Il suffisait de faire croire un accident. Mais en vous faisant accuser, grâce au journal qui vous avait subtilisé, il pouvait du même coup récupérer les éditions Irak et l'héritage. Machiavélique, n'est-ce pas? Mauvais roman policier. Si Margotin avait eu du talent, il ne serait jamais arrivé là. Non. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû épouser Bernard. Ni les autres, d'ailleurs. Je porte la guigne à tous ceux que je croise. Mais comme une femme aussi intelligente que vous peut-elle croire à des pareils dossiers? Tenez, venez. Vous allez juger par vous-même. Vous tentez votre chance, monsieur et dame? Je suis sûr qu'en ma présence, vous ne pouvez que perdre. L'as de cœur. Ah, l'as de cœur, vous avez raison, c'est la meilleure. C'est parti. Vous allez voir. Vous pouvez jouer 10 fois, 20 fois, 30 fois toute votre vie, si vous voulez. Ça ne marche jamais. L'as de cœur, ah, c'est promis, c'est promis. Attention, attention, attention. Aïe, ouais. Yeah. Bravo, c'est gagné. Madame Singa. Merci. Personnel. Merci, hein. Allez, messieurs, dames, on mise, on tente sa chance. On peut miser plusieurs fois. Aïe! Thank you.